Avec Anthony, on a décidé de se faire la dernière pêche de l'année sur son plan d'eau, donc à l'étang de la Clarté. Moi, je suis arrivé un petit peu en avance. Je suis posé sur le poste 3, donc le dernier, appelé le labyrinthe. Pourquoi ? Déjà parce que je n'ai jamais pêché, donc c'est pour une découverte. Et surtout que là, il y a depuis une bonne semaine un bon vent de sud chaud et qui pousse vraiment dans la réserve. Et donc c'est idéal pour la pêche, hein, un peu de vent, un peu de pluie. Donc, ouais, je suis posé là. Donc j'ai mis 3 cannes. Je me suis installé comme assez rapidement, comme je connais un peu le lieu. Puis Anthony m'a bien guidé sur les spots. C'est assez facile, l'eau est très claire et donc on voit facilement des belles taches jaunes. On a vu même une qui était encore bien plus jaune, ça se voyait que le poisson a mangé dessus. Donc j'ai posé ces cannes-là sur des zones comme ça, avec un petit mélange de graines. Donc voilà, c'est installé. J'attends maintenant Anthony pour partager ce dernier moment de l'année 2022. Voilà, je viens faire deux poissons. Première touche très timide. Hop, je la lance en épuisette. Et tout de suite après, une deuxième touche. Donc bon, voilà, je suis tout seul, c'est un peu galère, mais j'ai mis deux poissons dedans. Je vais prendre là maintenant mon temps pour en transférer une déjà en premier temps dans un sling et l'autre, je m'occuperai après. Donc c'est très important. Hein. Là en plus, ça me sont sans hardis, donc ça va être assez facile à faire le transfert. Voilà, tout faire dans l'eau hein, comme ça, je peux la décrocher au passage, piquera nickel dans la bouche du bas. Voilà. Et voilà. Je suis installé sur le poste 3, l'étang de la Clarté. Je me suis bien installé, j'ai bien observé. Et j'ai une canne qui est posée sous un arbre. Je vois beaucoup de coilles tourner autour. Et voilà, hein, j'ai fait une touche, mais c'est pas une coille. C'est une belle grosse miroir. Et que y a des poissons qui ont la forme, qui ont fait leur réserve pour l'hiver avec leur grosse panse. Donc je suis hyper content, premier poisson en 1h30 de pêche à peu près, donc c'est excellent. Franchement, je ne peux pas rêver mieux. Et voilà, je l'ai mis dans l'épuisette. J'étais au téléphone avec Anthony et la seconde canne, un petit peu plus loin en pleine eau, sur une belle tache de sable, bien propre. Et voilà, une deuxième touche, donc excellent. La session commence au top. Et voilà. Le second poisson, une belle grosse miroir bien ventrue, avec une belle tache orange et puis des très très belles écailles. Moi je pense que c'est un super poisson, j'adore ce genre de miroir. Ça fait hyper plaisir. Voilà, je vais la remettre vite à l'eau et vous montrer encore les autres. Il y en a deux autres au sac. Voilà. Encore un beau poisson, atypique, très très court, très ventru. Elle fait son poids malgré sa petite taille. Je suis aux anges, super session. Grosse mémé, une belle grosse miroir. Ventru, un beau poisson, je suis bien content de cette session. Voilà le quatrième poisson, encore une belle miroir, bien ventrue, des superbes écailles au niveau de la queue, vraiment du très très beau poisson. Je suis hyper content, quatrième touche dans cette journée, c'est du sport, vivement qu'Anthony arrive pour qu'on puisse partager ce beau moment ensemble.
Les conditions sont là, un super vent, un gros vent du sud. On est en plein, le dernier jour, l'avant-dernier jour de janvier. Demain, c'est le réveillon. Donc, ça commence plutôt bien cette session. 4 touches aujourd'hui. Je suis hyper content. Ça va. Allez, allez, go. Go. C'est dedans. Anthony finit tout juste de s'installer, qu'une de mes cannes déroule. Celle qui pêche sur une tache de sable que j'ai trouvée plus loin en direction de la rizière. Ce spot paye vraiment bien, je suis très content. Je mets dans l'épuisette ma 5e carpe, un super moment que je partage enfin avec Anthony. Nous mangeons et allons attendre les prochaines touches dans nos bêtes chères. Voilà, le deuxième poisson de cette nuit. Belle petite commune, bien sombre, typique des lieux. Donc un poisson qui va bien grandir, je pense. Une belle morphologie. Ça fait hyper plaisir. Et le deuxième poisson de cette matinée. C'est hyper cool. Le premier poisson de cette nuit. Hier, c'était une journée très très productive. Cette nuit, voilà, j'ai fait 2 poissons. J'ai relevé les cannes, histoire de laisser reposer le cou. Et puis de reposer le pêcheur aussi. Là, aujourd'hui, c'est le plus simple, qui est Anthony qui est là pour m'aider à faire les photos et les vidéos. Puis la prochaine, j'espère que c'est pour toi. Un poisson atypique. Je pense qu'on peut le surnommer le dinosaure. Voilà, encore un beau poisson, baignoire bien courte, bien ventrue et très prometteuse. Un poisson qui veut une carpe qui va bien grossir. Ouais, c'est hyper plaisir. Un beau poisson. On se retrouve encore sur ton étang, ouais. Étang de la clarté. Donc là, on va essayer de faire finir l'année en beauté. Bon, pour ma part, c'est déjà fait. Ouais, tu fais une belle pêche. Hein. Ouais, bah ouais, j'ai fait 4, 5, 6, 7 touches, je crois, depuis 7 hier. 7 touches, ouais. Ouais. 6 poissons. Donc c'est pas trop mal. Hein. Le météo fait que c'est pas mal. On est fin décembre, donc là, avec ce gros redoux, gros vent du sud, là. Ouais, un bon vent du sud. Bien bouger les poissons, quoi.
Tout l'avantage, c'est que tu es sur le poste 3, ouais, le vent, ça fait une semaine ou deux qu'il pousse vent du sud en plein dessus. Bien choisi pour ça, ouais. Et puis bah... C'est bien payé, là, je ne m'attendais pas faire autant et si rapidement que je crois que c'est au bout d'une heure et demie, deux heures max, j'ai fait ma première touche. Ah oui, voilà, un peu de temps. J'étais bien content. Hein. Puis là, après, j'ai enchaîné alors, tout seul, c'était pas facile. C'était un peu le bordel. J'étais bien content que tu arrives malgré que ce soit tard. Oui, c'est vrai qu'après, avec le boulot, quoi, je peux pas me permettre de t'arriver plus tôt, mais bon, j'ai fait en sorte. Puis tu avais plein de trucs aussi à faire avant de venir. Trop de trucs, c'était affolant. Quoi. Ouais. Je pensais pas en avoir autant, m'en refouter en plus par derrière. Je me suis dit, je vais jamais pouvoir venir. Sinon, je vais dormir chez moi et venir le lendemain matin. Je me suis dit, autant profiter. Tôt, là, on a reposé vite. T'as vu pas mal de poissons, t'as bien posé qu'hier. Ah bah hier, comme je t'avais dit, l'eau était teintée avec la pluie qu'il y a eu. Ah bah, tu sais, j'ai été soupçonné, mais au final, malheureusement, l'eau était vachement teintée. Bah, je pense que c'est avec l'eau qui est tombée. Les terres étaient gorgées de faute. Ça fait du bien, ça fait bouger le poisson, on les voit bien naviguer en plus. Là. Ouais. Bah, elles se nourrissent quand même. On repasse sur les postes, comme on dépose un peu en bateau. Ouais. On repasse sur les postes et certains spots, il n'y a plus rien. Ah bah oui. Sur ma canne de gauche, là, c'est rassasié, il n'y a plus rien. Sur l'autre de fond, il y a encore un peu d'appât, donc Oui, c'est vrai. On a remis une ou deux petites pelletées, là, histoire d'activer un peu le spot. Bah, même moi, j'avais plus rien là-bas. Ouais. Sur la pêche. Et puis on y croyait la touche, mais grosse touffe d'herbe. Ah ouais, tout à l'heure là, c'était affolant. Putain, j'y croyais. On était en plein sur l'eau aussi, donc ça arrêtait pas de biper. On se dit, ça y est. Touche à retour, à plein balle. Elles sont assez timides les touches. Mais en plus, on les voyait, elles étaient sur le spot. Mmh. Bah non. Même le marqueur qui est comme ça là. Mais finalement, on espérait. Tant pis. Bon, on verra bien, on a tout reposé proprement. Ouais, ça c'est nickel. Croisons les doigts. La météo est différente, mais bon. Ouais. Ça va se redégrader demain. Pour au moins de faire un petit poisson avant les 12 coups de minuit. Ouais, ce serait même bien. Pour toi surtout, que moi, ma pêche est bien faite. Elle est plus que bien content. Faite. Finir l'année 2022 en beauté et bien recommencer l'année 2023. Peut-être demain matin, on verra. Demain matin, à minuit pile, ce serait bien. Bon, on vous présentera ça, si on a faim. Ce serait bien, quoi. Voilà, je prends un petit apéro, puis on va manger. On va manger. Allez. Et puis, à table. C'est ça. Tu vas faire peut-être le fiche juste avant les coups de minuit. Hein ? Dernier fiche de 2022. Bah ouais. Hein ? Ça fait plaisir, putain. Putain. Est-ce que c'est une boule d'herbe ? Ah non, pas là. Je crois qu'elle est sur la droite, quoi. Bon, on va chercher le bateau aussi. C'est un poisson, ça.
C'est un vieux poisson, mon pote. Yes. C'est quoi ce poisson là? Nice. C'est bon ça. Bon bah voilà. Ça y est, tu l'as fait juste avant les 12 coups de minuit. Ouais, avant les 12 coups de nickel. Minuit. Une petite bouteille de champagne pour fêter ça. Célébrer quoi. Ça. On va la péter en direct. Voilà. Allez, j'ouvre ça avant que tu. Un beau poisson. Ouais, un très très beau poisson. Donc, juste avant le début de l'année 2023, quoi. Magnifique miroir. Ouais. Dernier poisson 2022. Donc on va faire péter le champagne. T'es prêt? Ah oui. Allez. Et voilà. Bonne année. Allez, bonne année. La petite coupette, hein. C'est bien. On va bien fêter ça quand même. Ouais, c'est cool. Ça fait plaisir. Tu l'attendais depuis longtemps, ce poisson. Bah oui. On en parlait, hein. Fallait le faire ce poisson-là avant la fin de l'année. Allez, bon, ça bue, ça mousse, ouais, on sait pas. C'est pas grave, c'est principal. À la vôtre, hein. Et ben, il est pas mauvais. Et ouais. Je présente ce magnifique poisson que j'ai pu capturer hier soir, donc fin d'année 2022, donc à une demi-heure, trois quarts d'heure de la fin, avant l'étape des 12 coups de minuit, donc 2023. Donc on a passé un agréable week-end avec Benoît sur mon plan d'eau à l'étang de la Clarté. Donc Benoît a cartonné sur le poste 3, franchement j'ai été étonné, avec le vent du sud et puis le road mousse était juste excellent, donc c'était sûr qu'on allait faire du poisson. Donc voilà, donc on a passé vraiment un agréable moment et puis on espère vous voir d'ici l'année 2023 sur le plan d'eau, vous accueillir et puis faire de magnifiques poissons comme ceci et plein d'autres qui nous attendent. Fin de cette belle session sur les temps de la Clarté. Nous avons passé un excellent moment avec plusieurs beaux poissons. Nous avons eu la chance de fêter la bonne année avec des carpes et un bon verre de champagne. En tout cas, terminons parfaitement cette année 2022. Bonne année et meilleurs vœux.